pour être l'intello du bureau. Vous connaissez ma passion pour les animaux. Alors là, c'est pas un beluga. Vous avez vu, hein, cet été quand même, il y avait un beluga dans la Seine. Oui, c'est oui. Très triste. Oh, et alors, je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont écrit. J'ai reçu un nombre de messages. Dès qu'il y a le mot beluga, les gens le collent. C'est très gentil. On fait un tour dans l'eau pour vous présenter un petit animal pas comme les autres. On s'intéresse aujourd'hui à l'axolotl. Alors, je le prononce tol, mais ça peut être l'axolotl, parce qu'il n'y a pas de à la fin. A-X-O-L-O-T-L, je pense que vous ne connaissez pas. Ouais, l'axolotl. Bon, une espèce de salamandre, et il n'y a pas que son nom hein, qui est particulier. Déjà, ce petit animal a la capacité de passer sa vie en état de larve sans jamais se transformer en adulte. C'est un adolescent, cet enfoiré. Là. Bon, on appelle ça la néoténie, d'accord ? Ou la jonathanténie, si vraiment vous voulez pousser le délire jusqu'au possible. Bout. Ce qui est encore plus fou après, avec l'axolotl, c'est qu'il est capable de régénérer des organes détruits ou abîmés. Un exemple, s'il lui manque un œil, bam, il peut reconstituer son œil. Wow. Il peut aussi recréer une partie de son cerveau si elle est manquante. Ça paraît fou, mais c'est bien réel. C'est cette espèce qui se trouve dans les environs de Xochimilco au Mexique. On la trouve surtout dans les lacs. Et malgré sa capacité à se régénérer, sa durée de vie dépasse rarement les 15 ans. Le problème, c'est qu'il est en voie de disparition, danger d'extinction critique. Et il est beaucoup étudié avant qu'il ne disparaisse. Je trouve ça absolument fascinant. Imagine. Voilà. Greg, tu perds tes cheveux, paf, et un pouce des cheveux. Mais je pense qu'il faut l'étudier davantage pour aider toutes celles et tous ceux qui perdent des choses. D'accord. Franchement, je pars en expédition au Mexique, je me fais 15 jours au soleil, je ramène un axolotl, et derrière, pour Jojo dans 5 ans, et pour moi maintenant, on y va avec des beaux cheveux. Va juste faire une greffe, c'est pas mal. Oui, mais il n'y a pas le Mexique dans la greffe. Tu peux partir en Turquie, c'est sympa, il y a le soleil. Mais enfin bon, là, il y a quand même... le soleil du Mexique. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Tu es avec nous? Allez, c'est parti, on y va. Bon, vous démerdez pour réaliser l'émission en revanche. Pas de soucis. Ah, voilà. Tu me feras une petite formation. Allez, bien. Ça fait 7 ans qu'on doit la faire, la formation. Ouais, c'est vrai. Moi, je savais faire les consoles d'avant. Bon, Survivor Burning Heart sur RTL2.